Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour un petit nail art de printemps avec Madame Glam. Donc, je remercie encore une fois Madame Glam pour ses VSP que je suis tombée redingue de cette marque. Mais alors, vraiment redingue, ça faisait très longtemps que je voulais tester. Ils m'ont proposé un partenariat. Je vous ai fait la vidéo que je vous remets dans le petit et en barre d'infos. Et j'ai eu un réel coup de cœur pour la qualité de leurs produits et l'opacité, la texture, la viscosité, enfin tout. Voilà, vraiment gros coup de cœur sur cette marque. Et là, ils m'ont proposé de choisir 4 nouvelles teintes dans les teintes pastel pour vous faire un nail art de printemps. Donc je vais d'abord vous présenter ceux que j'ai choisis. Je vous laisserai avec le nail art en musique et voilà. Donc, je reçois ça dans une petite boîte comme ceci à l'effigie de la marque. Bien évidemment, ça vient des US, donc il y a des frais de douane, surtout en Belgique. Hein. En France, ils sont moins élevés, voilà. Et les 30% avec mon code promo, vous payez largement les frais de douane. Et franchement, malgré les frais de douane, ça vaut hyper le coup. Parce que c'est vraiment ma qualité de VSP préférée depuis que je les utilise. Alors, bien évidemment, durant la vidéo, j'utilise le top coat et la base que j'avais reçu dans le premier partenariat. Voilà, je les aime beaucoup, mais alors vraiment beaucoup. J'aime tout. Franchement, voilà, gros coup de cœur sur cette marque. Alors, j'ai d'abord choisi deux VSP classiques. J'ai pris le Hailey Miu, qui est un vert pastel, qui est vraiment très, 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 très beau. J'ai pris le Carabine C, qui est un turquoise. Sublime également. J'ai pris le Pastel Dream. Donc là, c'est un rose pastel avec des petits points noirs dedans. C'est pas vraiment des paillettes. Ça fait vraiment un peu comme les effets œuf de Pâques, là, vous savez, en déco. Ça fait très joli. Et gros coup de cœur sur le Bubble Bath, qui est un holographique sublime. Alors, il faut pas oublier que c'est des formats 15 ml, donc ça vaut vraiment le coup. Vraiment, vraiment, vraiment le coup. Donc, je vous montre d'un peu plus près ce que j'ai fait et je vous laisse avec le nail art complet. Donc, voilà, j'ai fait avec des petites fleurs et comme ça, vous voyez un peu mieux le rendu ici que pendant que je l'ai fait. Et j'aime trop, 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 trop. Voilà, donc je vous laisse tout de suite avec le nail art en musique.
cette vidéo vous aura plu, je remercie encore une fois Madame Glam. J'adore recevoir leur vernis parce que à chaque fois que je les utilise, je fais mais waouh, en une couche, ils sont homogènes, ils sont tout. J'en mets quand même deux, hein, mais en une couche, ils sont nickel. Un peu moins l'holographique, là, si vous ne mettez pas de base en tout comme moi, il faut deux couches. Mais j'adore. Très gros coup de cœur sur cette marque. Partenariat qui me transporte. Je suis totalement ébaudie à chaque fois qu'ils m'en proposent un. Voilà, c'est déjà le deuxième. Et voilà, donc dites-moi en commentaire si le nail art vous plaît, si la marque vous intéresse. N'oubliez pas de profiter de mon code promo puisque 30% c'est énorme, vraiment énorme. Et ça vous paye largement vos frais de douane. Et n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous.